Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rattraper un tableau raté. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, à vos couteaux. Ce tableau ne me plaisait pas, donc je suis venue le racler. Il est frais, c'est de l'huile. Je le racle complètement. Comment essayer de rattraper un tableau raté ? Pour pouvoir réutiliser la toile et en faire un fond. Déjà, il est raclé, ça c'est déjà fait, mais bien sûr on voit encore un petit peu de résidu de couleur. Donc là je vais travailler avec du blanc et je vais venir délicatement, tout doucement, poser ce blanc qui va se teinter au fur et à mesure avec les couleurs du fond. Et je fais ça sur la totalité de ma toile. Là, je rajoute du bleu outre-mer. Alors, je recomposais un peu ce fond qui était complètement raté. Au départ, c'était un bouquet de fleurs. J'ai raclé, j'ai repassé mon blanc. Il est venu se dissoudre avec les résidus de couleur qu'il y avait sur mon arrière-fond. Et là, je me dis, oui, je peux refaire un bouquet de fleurs. Mais là, je suis en train de voir que est en train de me sortir une mer. Donc, je vais tout simplement, à la manière des trois voiliers que j'avais fait il y a quelques temps en vidéo, réaliser trois voiliers ici. Ça va très bien s'y prêter. J'ai renforcé donc la mer avec un petit peu d'outre-mer. J'aime travailler le V. Le V, c'est la profondeur. Je remets un petit peu de gris de peine, puisqu'il y avait un résidu de noir ici. Le gris de peine plus doux, légèrement teinté de bleu. Donc je vais travailler ce premier plan, gris de peine. Je stylise la mer et je viens, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu cette vidéo, c'était les trois voiliers. Donc je viens créer là et je stylise une voile. J'appuie pas beaucoup sur mon couteau pour qu'il y ait des effets de texture. Une première, une seconde qui va passer devant pour jouer avec la perspective. Et une troisième un peu plus loin. Je travaille la troisième voile, celle dans le lointain, avec un petit peu de bleu outre-mer. Je vais peut-être légèrement l'éclaircir pour que ce soit moins violent. Et je vais effleurer sur le blanc.
j'y suis. Je prends un petit peu de bleu acier et je vais effleurer également. Je vais laisser la troisième voile en blanc. Avec un petit crayon, je vais venir esquisser trois coques. Elle est un peu large, je vais la réduire. Pour cela, il me suffit de venir remettre ma couleur. J'enlève. Je remplis de blanc. Avec du bleu acier ou du gris de peine, ce que j'ai sous la main, je viens marquer la forme de la coque. Je peux remarquer légèrement, si je le souhaite, les mains. Ici, un petit peu de bleu acier. Avec mon petit couteau, je prends du blanc et je viens faire remonter les plumes et les embruns sur les voiliers. Je crée des vagues.
toujours très stylisé, et d'enlever. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à rattraper un tableau gâché. Des fois, un vilain tableau peut donner naissance à un joli tableau. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne et vous faites défiler. Il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.